Voilà les amis, nous voilà sur la partie, donc on va essayer cette guitare tous ensemble, mais à la grande surprise générale, c'est pas moi qui vais vous la tester, cette magnifique guitare. Je vais faire un featuring avec l'un de mes meilleurs amis qui souhaiterait en tout cas rester à l'anonymat. On va respecter sa décision, je vous demanderai simplement d'écouter l'essai de cette magnifique guitare avec ses doigts qui sont très 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 magiques. En direct de l'entrée de la folie, cette fois pour un autre registre que j'avais déjà fait sur ma chaîne, la présentation un petit peu de mon matériel nouveau entre guillemets, et puis cette fois je voulais axer sur le changement de corde puisqu'il s'agit d'une guitare classique et trop classique plus exactement. Tout ça dans l'intérêt forcément de la composition et pour mon plus grand plaisir, une belle guitare acoustique, c'est une Andalusia, le numéro de série c'est une SHC610CE, voilà, après il y a une autre lettre, je ne sais pas, CU, un Q peut-être. Je ne sais pas, en tout cas elle est électroacoustique. On voit bien là le micro.
pas les désaccorder, mais on va se pencher sur un petit peu la restauration de cette bébête. Et je vais vous expliquer deux, trois petites choses sur les classiques, puisqu'il y a des particularités sur les changements de cordes qui, pour moi, ont une importance à vous présenter. Voilà, donc là, elle est dans son jus. Donc, je vais changer pour des Savarez classiques en référence. C'est du fort tirant. C'est aussi du fort tirant pour que ça sonne sous mes doigts. Voilà. Donc on va en profiter, on va la nettoyer. On va mettre un petit peu de produit également dessus. Donc voilà les amis, donc on va repartir sur le matériel qu'il nous faut. Il nous faut donc des cordes neuves forcément. Un petit produit pour le manche. Donc c'est bien les Savarez. Hein. Ok, il y en a bien 6. Il nous faut un chiffon. Alors là c'est un microfibre pour nettoyer un petit peu la guitare une fois qu'on l'aura bien manipulée dans les mains, puisque ça fait toujours des traces de doigts. J'aime bien nettoyer mes instruments. Et puis ça c'est pour le manche, un vieux chiffon. Une pince coupante, forcément, pour couper les cordes. Et puis notre ami la manivelle. Et moi pour l'instant là. Et puis un petit. Voilà, un petit ustensile pour poser le manche correctement, de manière à pouvoir travailler. Donc en fait, il y a deux choses sur la classique. Il y a donc deux fixations à prendre en compte hein, au niveau des mécaniques et du chevalet. Donc je vais vous faire voir pour deux cordes, simplement, comment il faut procéder. Je vous ferai voir à la fin et puis après, on se fait un petit plaisir, on se fait un petit test. Tout simplement, les amis. Voilà. Donc, on va commencer par... forcément enlever les cordes. Les amis, on a retiré donc les cordes de la guitare, on a donc accès à toute la table et tout le manche correctement pour pouvoir frotter. Quelqu'un qui m'a dit que ce genre de produit était pas très efficace, même s'il était recommandé et utilisé par la plupart de nos luthiers en France et de nos réparateurs de guitare. Moi je préfère l'utiliser parce qu'il est adapté, on va dire, mais après il paraît que en grande surface, notamment dans les magasins de bricolage, il existe des produits en fait qui ont la même propriété de nettoyage pour le bois, tel que le chêne ou tout ça, enfin bref, qui est utilisé pour le bois principalement. Donc moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, je vous laisserai aller faire un tour chez nos plus grandes enseignes pour aller vous renseigner. Si toutefois cela vous intéresse, moi je reste traditionnel, dirons-nous. Voilà, donc on va laisser un petit peu boire le manche, hein, tranquillement. On va essuyer tout ça pour enlever une première crasse. Parce qu'en fait, l'avantage du citron, c'est que ça décolle aussi la graisse. Hein. Donc, la graisse, les impuretés qu'on peut laisser avec les doigts hein, quand on transpire. Voilà, et puis ça fait vraiment, vraiment pas de mal. Hein. Donc, on insiste bien, surtout au niveau des frettes. Hein, parce que c'est là où ça se
ça se pige en fait le plus, hein. Donc c'est une petite guitare que j'ai achetée d'occasion, pour la petite histoire. J'ai pas trouvé trop d'infos, je sais que bon, bah, la marque a priori existe, que c'était des petites guitares vendues à des fins d'apprentissage en fait, hein, pour les débutants. Moi je recherchais le côté électro-classique bah, pour pouvoir enregistrer forcément. Hein. Pourquoi la guitare classique bah, parce que ça amène une autre coloration, ça amène forcément autre chose, sinon il n'y aurait pas autant de variété d'instruments. Et puis bah, c'est un bel instrument quoi, hein. La classique c'est quand même mythique dans plein de domaines. Et puis on fait des belles choses, il y a des sonorités très chaleureuses, très vivantes, très musicales. Après le toucher il est complètement différent, dû en fait aux espaces entre les cordes. Hein. Et puis bah, forcément le côté nylon qui rajoute la difficulté supplémentaire. Mais après, voilà, il y a plein de styles différents dans le classique, il n'y a pas que la musique classique. Hein, côté andalouse, côté Brésil, côté. Voilà, il y a plein de choses qui sont très très musicales et très sympas, avec un toucher vraiment particulier au niveau de la main, où là c'est vraiment un instrument. J'ai envie de dire très sensuel, puisque beaucoup jouent uniquement avec les doigts sans médiator, hein. Et du coup ça devient un peu sensuel quand même la manière de pratiquer ce genre de guitare, et c'est un petit peu un côté aussi très très sympa, très simpliste finalement, de se retrouver sur du bois avec une sonorité alléchante. On va partir sur donc là vous avez vu il vous marque directement les cordes, hein, mi, si, donc sol, ré, la, mi. Donc nous on va partir sur les deux mi, hein, comme ça on va avoir vraiment les deux différences. Donc je vais retourner la guitare de manière à ce que vous puissiez voir côté manche, puis ensuite côté chevalet. Donc côté manche, on voit bien les trous en fait, hein, sur les trous des mécaniques. On va commencer par le côté nylon, d'accord. Donc forcément mi aigu, on va se retrouver ici. Donc moi ce que je fais, je la passe d'un côté, hop, je la repasse de dedans, j'obtiens donc une boucle. Petite boucle ici, d'accord. On va bien la passer. J'ai mes yeux fatigués. Et ensuite, je la récupère en passant par devant. Et je viens rentrer dans la boucle. Et je viens tirer le surplus là, de manière à me faire, vous voyez, une petite. Hop. Alors, bien sûr, il faut calculer la longueur. On recommence, on va passer par la boucle. On va tirer en récupérant la longueur, tire encore, juste de manière à vraiment laisser ce qu'on a envie d'obtenir comme longueur. Donc là, vous voyez, la boucle là va se faire et ça va coincer la corde dedans. Tac. Et là, ça ne bougera plus au niveau de la mécanique. Ensuite, on repasse. Donc il y a plusieurs façons de faire. Hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Mais en tout cas, en accordant comme ça, je sais très bien que la guitare ne va pas se désaccorder.
Voilà pour celle-ci. Et on fait du coup la même chose avec la mi. Donc à la différence, souvent, vous allez avoir un côté qui est un peu strié et l'autre qui est parfaitement torsadé en fait. Donc moi, la partie striée, je la laisse en haut pour la couper après. C'est-à-dire que je la rentre d'abord, comme j'ai fait pour la nylon. Okay. Je repasse dans mon trou. Je récupère et je viens chercher ma boucle en repassant ici. Donc on a bien la boucle, hein, qui est faite. Et en fait, je vais chercher donc la fin de l'aspérité. Je vais vraiment mettre la torsade qui est bien bien faite dans ma boucle, de manière à couper après le surplus qui a été mal. Là, vous voyez, la boucle se fait, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, là. Quand je tire, hop, et là, je peux vous dire que ça tient, d'accord? Donc, je repasse par là. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux cordes qui sont prêtes. Je ne coupe pas tout de suite, hein. D'accord? Je ne coupe pas tout de suite, surtout. Repasse derrière, côté chevalet. Donc ici, pour la corde en nylon, il va falloir passer, vous voyez là, dans son trou prévu. D'accord? Et ensuite, il va falloir repasser, aller la chercher, repasser dans la boucle, une fois, deux fois. Moi, je passe trois fois. D'accord ? Il y en a qui vous diront 4, 5, peu importe. 3, c'est déjà pas mal. Et ensuite, il faut coincer le petit bout qui dépasse vers le bas et tirer. Et hop, automatiquement, on a notre point qui est fait sur la classique. Et pareil pour la corde. D'accord ? Pas si longue que ça, celle-là. Je vais la refaire avec une autre parce que c'est très bizarre. D'habitude, elles sont un peu plus longues. On va reprendre sur la corde de là. On va refaire ensemble juste la partie arrière. Je la repasserai devant. Là, c'est un peu un échec, quoi. Donc, normalement. Comme ça, d'accord. Ensuite, on fait sa petite boucle. On vient coincer derrière le bois et on vient tirer. Voilà, tac. Pour celle-ci, il n'y a pas besoin de faire plus de nœuds parce que, comme elles sont filetées, en fait, le filetage permet de les maintenir. En fait, vous voyez, on dirait qu'elles ont un défaut. En fait, elles sont on va dire défiletées ici, entre guillemets. Refilter à la fin, ici, ils sont défiletés aussi. Je suis passé, tac, une fois, deux fois et trois fois, et ensuite je viens maintenir derrière et serrer. Voilà.
application pour l'accordage qui s'appelle GuitarTuna. Une application très très pratique. Voilà les amis, c'était Magic Fingers en direct du studio de l'Antre de la Folie pour cet essai de cette magnifique guitare Andalusia, voilà, qui a été fait avec soin par l'un de mes meilleurs amis. Je voulais vous remercier tous et toutes simplement pour toute la générosité que vous apportez à cette chaîne, vos likes, vos commentaires, votre suivi. Abonnez-vous, parlez de la chaîne, faites tourner tout ça, car c'est grâce à vous tous que cette chaîne persiste, et j'espère que cette année sera grande pour nous tous, hein, qu'on suivra ensemble l'évolution. Je vous fais des gros bisous. C'était Magic Fingers, merci à vous. À bientôt, salut les amis, ciao.